Et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est ai-je le contrôle sur mes pensées Bonjour à tous Bonjour, Et bonjour à notre invité, Guillaume du Tu vas bien Ça va très bien. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom c'est parfait. C'est parfait. Yes. Encore mieux que les Français. <laughs> c'est parce que je suis suissaine, voyons. <laughs> Guillaume, tu viens aujourd'hui pour présenter avec Nadine le livre de la semaine. Tu es pasteur théologien et président des éditions Inspiration Publishing et EMC Boutique. Donc, oui. tu es le visage qui se cache derrière notre boutique. C'est toi qui gères les stocks, qui prends contact avec les maisons d'édition pour les livres qu'on présente, c'est ça? Oui, moi et puis de, une équipe aussi qui oui. travaille pour nous Exactement. en France directement à l'entrepôt. Oui. Exactement. Et donc c'est ça aujourd'hui. On, ben, on peut commencer directement par nous dire ouais, ce sera quoi le livre ouais, de la ben semaine. Oui. Le livre de la semaine, c'est Soyez transformé en profondeur de René Laframboise. Et avec Guillaume qui est éditeur de ce livre, on va le présenter. Toi. C'est parfait ça! Et euh, Anne, tu vas nous faire une petite réponse ou grande, je ne sais pas. Ah, du costaud, c'est du lourd, Yveline! C'est du lourd! Dans Pasteur, j'ai une question, à quoi tu vas répondre? Alors, nous répondons aujourd'hui à une question. Euh... Comme je t'ai dit, c'est du lourd. La loi de l'attraction, donc la pensée positive, la visualisation, est-elle en accord avec la parole de Dieu wow. Wow. Je ne connaissais Et... même pas la loi de l'attraction, donc tu vas nous enseigner tout ça. Mais, bien sûr, Yuline. <laughs> en cinq minutes, top chrono. Hein. Minutes, top chrono. <rire> <rire> tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et Aurélie, témoignage aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous partages Oui, oui, oui. Ouais. Témoignage d'une jeune femme qui a été libérée de pensée d'oppression. Okay. En regardant MCI TV. Génial, bah, c'est merveilleux tout ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on parle des pensées, de toutes ces pensées. Alors, on en est parfois plus ou moins conscient et on en a parfois plus ou moins le contrôle. On va voir justement qu'est-ce qu'on fait avec ces pensées, comment est-ce qu'on peut les, les contrôler, les maîtriser et est-ce qu'on peut les contrôler. Avec toi, Annabelle, on commence avec la pensée du jour. Je pense que, comme moi, vous avez déjà été assailli par diverses sortes de pensées. Ça peut être toutes sortes de pensées, des pensées quelquefois de, de dépression, de dépréciation, des pensées négatives, des pensées de de folle complètement on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive mais pourquoi est-ce que je suis en train de penser à ça est-ce que j'ai un problème est-ce que les démons sont entrés en moi est-ce que le diable me possède qu'est-ce qui se passe pourtant je suis un chrétien né de nouveau et là je parle de gens qui ne s'exposent pas euh, à des choses violentes qui ont vraiment une vie euh, sanctifiée et il n'y a rien de spécial dans votre vie qui fait qu peuvent faire qu'on se retrouve avec toutes sortes de pensées et on peut euh, commencer à avoir peur, commencer à se dire Mais il y a peut-être quelque chose qui cloche en moi, ou alors aussi être très passif, se dire C'est comme ça, les pensées viennent et elles m'accablent, elles m'oppressent, et se sentir complètement, complètement victime de ces pensées qui finalement commencent à nous contrôler. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Un, c'est pas, pas si dramatique que ça si vous avez déjà été assailli par toutes sortes de pensées. Et deuxièmement, nous avons l'autorité sur nos pensées. Mmh. Donc, premièrement, oui, il y a des pensées qui nous arrivent parce qu'on vit dans un monde où il y a toutes sortes de pensées, il y a toutes sortes de vents spirituels. Et quelquefois, il y a des pensées qui viennent nous effleurer. Et ce n'est pas nos pensées, ce ne sont pas le fruit de réflexion. Donc, on n'est pas obligé de faire une cure d'âme, de faire une introspection. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ouvrir la la porte, etc. C'est juste des pensées qui viennent. Et notre responsabilité, c'est de résister face à ces pensées, de tenir ferme et quelquefois, tout simplement, de ne juste pas les traiter. Il y a des choses qui rendent, qui ne rentrent pas chez vous. Dans votre maison, il y a un voleur qui veut « Ding dong, je suis un voleur, puis-je Oui, bien sûr, rentrez, puisque vous êtes devant la porte. » Non, on va être plus offensif, on va dire « Non, on va fermer la porte. » On va lui dire de partir parce qu'on veut protéger notre maison. Et avec nos pensées, c'est pareil. Il y a des pensées Quelquefois, des pensées de destruction qui viennent qui, qui viennent frapper et c'est à nous de leur dire, non, désolé, vous n'entrez pas, vous partez, vous n'avez aucune place dans ma vie. Et nous devons apprendre à trier nos pensées selon le filtre de la parole de Dieu parce que oui, il peut y avoir un tas de choses. Et c'est important de savoir qu'est-ce que me dit la parole de Dieu. Et quelquefois, bah, on doit prendre le temps de s'arrêter, prendre la pensée et... L'observer, entre guillemets, l'analyser. Okay. Est-ce que ça, c'est conforme à la parole de Dieu Une pensée de dépréciation, par exemple, je suis moche, je suis grosse, euh, est-ce que c'est ça que Dieu dit de moi Non, c'est pas ça que Dieu dit de moi. Donc cette pensée-là, je l'enlève. Cette pensée-là, je l'écarte. Et la Bible nous dit dans euh, le verset 2 Corinthiens 10 euh, Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous avons cette cette autorité de pouvoir amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons cette autorité de pouvoir refuser certaines pensées, de pouvoir leur résister, de pouvoir leur tenir ferme pour que ces pensées ne deviennent pas, ne prennent pas racine en nous et ne deviennent pas, on le verra un peu plus tard, ne deviennent pas des actions. Donc bonne nouvelle pour vous un, c'est pas dramatique si vous avez été assailli par certaines pensées et deux, vous avez la puissance et l'autorité de pouvoir y résister et de tenir ferme. Amen. Eh, hey, c'est rassurant quand même. Hein. Oui. Franchement, c'est rassurant. Parce qu'il s'en passe des choses dans la tête d'une personne. Alors, je sais pas, hein, je suis pas dans la vôtre. Mais moi, dans la mienne, <laughs> il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et puis, parfois même. Ce qui est très sournois, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Il y a des pensées qui passent comme ça et qui commencent à s'installer et puis à bien confortablement faire descendre des choses en nous, des sentiments de dépréciation, justement, euh, de manque de confiance en soi, de, de, de même justement physiquement, même on commence à se voir différemment, à se dénigrer dans nos compétences, nos capacités, et puis on laisse ça s'installer tranquillement. Euh, merci pour ta pensée qui nous rappelle qu'on doit veiller sur nos pensées et qu'on peut les contrôler parce que c'est vrai qu'on peut très vite avoir l'impression que en fait les pensées s'imposent à nous mmh. c'est plus fort que moi ça rentre dans ma tête j'ai aucun contrôle on va voir ce que dit la parole de Dieu on va regarder notre verset du jour Colossiens 3 au verset 2 nous dit pensez aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre oh on peut donc choisir sur quoi on fixe nos pensées. Premier point, hein, grande révélation, on voit qu'on peut choisir euh, sur quoi on veut fixer euh, nos pensées et euh, surtout sur quoi on ne veut pas les fixer. Alors, euh, bon, il est certain, hein, celles qui sont sur la Terre, euh, il ne s'agit pas non plus de faire totalement abstraction de tout ce qui se passe autour de nous. On, on comprend bien ce que ça veut dire. On comprend qu'on doit fixer vraiment nos pensées sur les choses qui sont en haut, qui glorifient le Seigneur, qui sont importantes, qui comptent et qui ont de la valeur et qui sont en accord avec. La parole de Dieu. Mmh. Oui. On... Vas-y, Vas <laughs> Les pensées sont intentionnelles et ça c'est vraiment une découverte qu'on doit savoir que c'est euh, nous, nous pouvons choisir soit quand nous fixons nos regard parce que quand la pensée elle vient, comme vous avez dit, une pensée de dépréciation peut arriver, mais même une pensée de convoitise. Avant que l'action se fasse, il y a d'abord tout le raisonnement qui se fait en nous. Et si on est à, à chaque fois qu'on reçoit des pensées on les amène sur le filtre de la parole et que nous-mêmes déjà, on se donne un code de conduite. Quand les pensées viennent, on est capable de les filtrer. Mais si nous-mêmes, on n'a pas une vision de où est-ce qu'on s'en va, ben, du coup, on est comme un aimant qui attire toutes sortes de choses, qui se colle à toutes sortes de choses. Et ça, c'est vraiment une découverte qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'adulte, en tant qu'humain, de savoir que mes pensées, j'ai le contrôle sur mes pensées, comme je contrôle mon corps et que je décide où est-ce que je vais. Je ne me déplace pas comme ça au gré du vent. De la même manière aussi, je contrôle mes pensées. Uh -huh. Donc, je peux <laughs> Oui. Parce qu'elle a donné <laughs> la parole à Nadine. <laughs> je donnerai la parole à Annabelle juste après. <laughs> Dans le psaume 145, euh, c'est un psaume de David. Et quelque part, il dit ben, il, il parle un peu au début. Et quelque part, il dit euh, je méditerai euh, tes merveilles. Et dans l'explication que j'ai lue dans ma Bible en bas, c'est écrit euh, qu'il il fait esprit mm -hmm. de penser aux merveilles de Dieu. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un acte conscient et volontaire, mm -hmm. comme Nadine disait. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose qui est venu euh, comme ça. Il a dit, je méditerai tes merveilles. Mm -hmm. Il a vraiment mm -hmm. décidé de l'objet de ses pensées. Et c'est possible justement de décider qu'une pensée ne soit pas la nôtre. Et c'est aussi possible de décider les pensées qu'on veut avoir en fait. Et c'est dans cette attitude qu'on doit être tout au long de notre journée, comme, comme Nadine disait, c'est de prendre cette autorité, de prendre ce contrôle et dire ça, non, je ne veux pas de toi. Et je choisis expressement ouais. de méditer euh, cette chose-là plutôt. Ben dans les lamentations de Jérémie, hein, quand il est au fond du trou, hein, c'est lamentation 3, 29, mm -hmm. si je me rappelle bien, quand euh, il est vraiment au fond du trou, puis il dit, bah, quand je pense à l'absinthe et au poison, euh, mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je décide, voici ce que je repasserai dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et en fait, tu vois, vraiment, il y a ce basculement qui est décisif. Là, il y a sa conscience qui dit, oh, je vais pas me laisser enfoncer par des pensées comme ça. Je choisis de repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Parce qu'on sait que les pensées vont engendrer aussi bien du bon que du mauvais. Si on laisse des pensées négatives, elles vont nous emmener vers du péché. Et si on cultive des pensées euh, bah, comme ce que dit Jérémie dans Les Lamentations je repasserai dans mon cœur, la, les bontés de l'éternel ne sont pas à leur terme. Quand on, on fixe nos regards sur les bontés de l'éternel, bah, on va aller vers de bonnes dispositions de cœur. Mm -hmm. hein, c'est comme en Pro, proverbe 4, 23 qui dit ben, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est la même chose, c'est pas notre cœur, notre muscle cardiaque, c'est nos pensées. Mm -hmm. Donc on a, comme disait Annabelle, euh, une responsabilité sur nos pensées mm -hmm. on a la responsabilité de filtrer le et le pas bon et quand il y a du mauvais qui vient mm -hmm. on sait que c'est pas anodin et que ces pensées vont nous entraîner vers euh, des terrains glissants de mm -hmm. péché ou de, mm -hmm. ou de dépression des choses comme ça on a le pouvoir et on a la responsabilité mm -hmm. d'infléchir nos pensées pour les amener mm -hmm. dans du bon mm -hmm. et, et justement annabelle comment on fait pour maîtriser il ya des pensées par exemple qui nous volent la paix comment on fait pour les maîtriser concrètement je sais pas <rire> <rire> <laughs> T'as fait la pensée du jour, ah, je te oui, rappelle! Oui, ah, euh, vraiment, une des premières choses, je pense, c'est. Tu vois, là, la... je dois maîtriser mes pensées. <laughs> arrêter d'être passif mmh. parce que euh, dès le moment où on est passif, en, on croit qu'on est passif mais on est en train d'accepter ces pensées qui sont en train de, euh, de se planter et qui commencent à produire du fruit. Oui, et puis un aussi. jour on se réveille, on est dans une confusion totale, on a des peurs, on a des craintes mais c'est pas venu en fait la plupart du temps, c'est pas venu du jour au lendemain. Mmh. C'est venu quelquefois d'une pensée, d'une parole qui a été semée, puis on n'a rien fait. On se dit, oh, bah, soit on n'y a pas juste prêté gars. Où on n'a rien fait et du coup c'est venu, euh, venu euh, déposer, c'est ça, une semence qui a commencé à porter du fruit. Mais on a un verset dans, qui est vraiment connu par rapport au porcet dans Philippiens 4,7. Je vais le dire parce que je le dis tout le temps dans le, tout le désordre. Je <laughs> n'ai même pas. Euh... J'ai même pas tout, euh, j'ai même pas tout écrit. Bah tu vas le dire dans le désordre. Ok, Je bah, vais juste <laughs> te dire la première partie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et euh, oui, <laughs> mais je vais le dire à la suite, mais dans un désordre total. Mais Aurélie, je pense qu'elle connaît l'ordre parfait, c'est que euh, <laughs> la paix. Si on n'a pas la paix. Eh ben on n'aura pas euh, on va avoir des pensées qui vont être dans un désordre total mmh. on va avoir des pensées de, de confusion et c'est comment on va aller chercher cette paix c'est en allant dans la prière et en rendant des actions de grâce et encore mmh. une fois ça nous montre qu'on peut qu'on n'est pas passif mmh. non seulement oui je me sens triste aujourd'hui c'est pas juste de dire mmh. ah non je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste. Dans le nom de Jésus, je ne suis pas triste. Ça, c'est et... la méthode. <laughs> oui, ça. Je ne suis pas triste parce que ma maison n'est pas vendue. Mm. Non, je ne suis pas triste parce que je ne pas... suis pas mariée. Non, je ne suis mm. pas triste parce que mon mari ne s'est pas converti. Parce qu'en fait, ça, c'est pire. C'est pire, en fait. Mm. C'est pire. Dit... En fait. Oui, pire. <rire> <rire> et euh, le fait d'être offensif à ce moment-là dans, dans, dans nos pensées, c'est d'aller chercher la vérité et de repasser les bontés de Dieu. cest à mais moi, je suis heureuse. j'ai la joie, j'ai la joie du salut. Mm -hmm. Quand je tourne les Regard vers toi, je suis rayonnante de joie, je suis dans la joie parce que tu vas sauver mon mari, je suis dans la joie parce que tu vas sauver mes enfants. Et là, il y a quelque chose qui va vraiment se, se passer et on va renverser, comme on disait, on va renverser tous ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu pour amener nos pensées captives à Christ et ce qui va nous faire déclarer aussi des choses différentes et on passe vraiment de la passivité à l'offensivité. Oh. Oh, <laughs> <laughs> Il faut, on a une responsabilité parce que dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul, entre autres, qui nous le dit à plusieurs reprises de rendre grâce en toutes choses et de cultiver l'action de grâce dans notre quotidien. Eh bien, l'action de grâce ça va venir de nos pensées mm -hmm. et donc il ne s'agit pas d'être dans le déni de dire non non euh, euh, parce qu'on a des choses qui sont pas graves dans nos vies oui. je veux dire on ne vit pas sur un petit nuage rose là il y a des trucs où on pourrait vraiment être attristé il mm -hmm. y a des sujets de, 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 de tristesse dans nos vies mais on va choisir comme Jérémy, de dire non je vais penser je vais me regarder les actions de grâce les sujets d'action de grâce mm -hmm. et choisir de cultiver les sujets d'action de grâce parce mm -hmm. qu'il y en a forcément même dans la vie euh, la plus euh, en ruine, il y a des sujets d'action de grâce. Amen. Donc notre responsabilité et le pouvoir qu'on a c'est ça, mmh. c'est de se dire bon, c'est quoi les sujets d'action de grâce dans ma vie Bah ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Éventuellement même l'écrire cette liste-là. Puis dans les moments où on se fait embarquer par de la tristesse, relire cette liste-là mmh. et mmh. cultiver et mettre au premier plan de nos pensées les sujets d'action de grâce sans nier les autres, mmh. mais les autres sont là, ben on va pas leur donner plus d'importance. On va volontairement aller vers des sujets d'action de grâce Exactement. Il faut que le focus soit soit le, le, qu'on oriente nos pensées vers le bon focus. Mm. Et là, moi, je pense à des personnes qui ont... Il y a des personnes qui ont parfois des pensées, j'ai envie de dire perverses, parce que peut-être ça tourne dans leur tête, il y a mm -hmm. des choses qui se passent, etc. Et à ces personnes-là, j'ai envie de dire, c'est important de, de parler, en fait, de le dire, parce que le diable aime les choses euh, ténébreuses, mm -hmm. les choses cachées il aime quand ça ne s'est pas exprimé mais une façon de prendre le contrôle justement face à ce type de pensée mais c'est de pouvoir lui dire c'est de pouvoir s'exprimer c'est de pouvoir trouver quelqu'un de confiance et dire voici ce qui se passe à l'intérieur de ma tête mmh, mmh, mmh. voici comment les choses euh, se font à l'intérieur et quand on va engager ce processus là bien sûr annabelle a parlé de renverser des euh, euh, pensées des raisonnements on va enclencher ce processus-là, mais il faut le dire. Uh -huh. Il faut parler parce que quand on parle, ça veut dire qu'on n'est plus d'accord avec ça. Uh -huh. Quand on ne dit rien, ça veut dire qu'on continue à accepter, uh -huh. on, subit. À, on subit ces choses-là, mais quand on ouvre sa bouche pour parler, ça veut dire que non, là je choisis de ne pas être d'accord, je choisis de me lever et avec euh, les personnes que Dieu met autour de, de nous ou bien nous-mêmes. Uh -huh. On prend aussi la décision de renverser mmh. ces pensées-là, mmh. comme on l'a dit. Mmh. C'est un peu comme euh, quand tu vas faire euh, tes courses, tu as ton chariot, et en fait, soit on est responsable, on connaît nos besoins, on sait ce qui est bon pour nous, on sait euh, c'est quoi notre, euh, notre liste, selon la parole de Dieu, tout ce qui est pur, agréable, digne de louange mmh. ah. <laughs> <Il y a rire> et d'approbation. Euh, <laughs> Je vais terminer. Euh, sur, euh. <laughs> et donc, on va choisir nos produits et, et en fait quelquefois il euh, y a des personnes elles sont vraiment euh, victimes enfin victime. elles se laissent complètement faire, elles passent et puis ouais. on leur jette plein de choses et au final c'est toi qui payes, c'est mm -hmm. toi qui payes mm -hmm. l'addition mm -hmm. c'est mm -hmm. toi qui passes mm -hmm. à la caisse avec mm -hmm. tous tes trucs que, dont tu veux pas des choses qui sont pas bonnes pour toi des choses dont t'as pas besoin, des choses qui t'encombrent, des choses qui te font même du mal mm -hmm. et c'est toi qui payes pour ces choses là et en fait c'est un vol et mm -hmm. on a le droit et on a le devoir si on veut être fort en Christ de se lever et de dire non je choisis, je choisis choisis de remplir mes pensées euh, de, des choses d'en haut. Je choisis d'être renouvelée dans mon intelligence. Oui. Je choisis la repentance aussi. Mmh. Il y a des choses auxquelles on pense. Plein de choses euh, d'où naissent, on va le voir tout à l'heure aussi, l'impureté, l'impudicité qui naissent dans nos pensées. Et on a, ce, on a ce, ce, ce devoir de se lever et de choisir la repentance, de dire non, j'abandonne ces pensées, j'abandonne mmh. ces choses, j'abandonne ces rêves, j'abandonne ces, ces scénarios que je me fais pour pour choisir ta pensée. Mm -hmm. Et la Bible nous dit que nous avons en nous la pensée de Jésus-Christ. Mm -hmm. Nous avons la pensée de Jésus-Christ et c'est tellement une promesse excellente de se dire « Non, j'ai la pensée de Jésus. J'ai la pensée de Jésus en moi. Est-ce que Jésus pensera à ça Non, Jésus ne penserait pas à ça. Et moi, j'ai la capacité de pouvoir faire basculer les choses et pas par la pensée positive, oui. mais tout simplement en me nourrissant de mm -hmm. choses mm -hmm. et en choisissant de mettre mes regards au bon endroit. Mm » -hmm. mm -hmm. Et mm -hmm. Guillaume est en train de lutter contre la pensée de se dire « Mais pourquoi on m'a mis sur le point de <laughs> parole de femme ?» <laughs> Je me sentais un petit peu étroit. <laughs> Non, pas du tout. C'est sûr que prendre la parole au milieu de vous, je suis très, je suis très attentif ça, aux échanges ça. qui sont faits. Il faut à qu quoi pensez-vous <laughs> Quelles sont mes pensées en ce moment non, non On ne veut pas savoir tes pensées. <laughs> ça va s'afficher. <laughs> Moi, j'ai à cœur de, pa de parler à des femmes euh, parce que des fois, les femmes, on est en on est, euh, si dans nos pensées, dans nos humeurs. Et tu peux te, ré te réveiller un matin, tu es juste de mauvaise humeur, tu es juste triste. Ta situation n'a pas changé de la veille, mais tu as juste un nuage comme ça qui est sur toi. Mm -hmm. Et tu es triste et l'atmosphère la de la maison est triste pendant toute la journée. Et vraiment, juste d'encourager les femmes que vous n'êtes pas. Euh, Nonobstant les, les, les variations hormonales, vous n'êtes pas obligé d'être victime de vos pensées, puis d'avoir une pensée de, 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 de défaite, une pensée de tristesse tout d'un coup, non. une pensée d'être submergé par les événements. Le, le bonheur, la joie, c'est vraiment un choix, comme Philippiens 4.8 que Annabelle a si bien cité, <laughs> les, de fixer vos pensées vraiment sur ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, et vraiment de, de faire ce choix. Conscient parce que des fois, on se, on, on se prive des moments de joie, des moments de, 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 de bonheur dans la vie. Pourquoi Parce qu'on est juste triste. Mmh. Mais pour rien, pour aucune raison. Mmh. La situation n'a pas changé. Et vraiment d'arriver à un point où est-ce que les, les, les événements extérieurs n'affectent pas votre état d'esprit. Mmh. Tu vois Il y a des gens qui ont beaucoup moins, mais qui sont bien, qui sont ouais. heureux, qui rigolent, qui sont... Qui sont bien. Et tu vas voir des gens qui ont beaucoup, beaucoup de biens matériels, oui. mais qui, qui dépriment et mm -hmm. des fois même qui s'enlèvent la vie. Pourquoi? Mm -hmm. Et c'est tout ça, c'est dans les pensées. Et c'est vraiment important de faire cet exercice dès maintenant pour les petites choses, de veiller sur nos pensées. Mm -hmm. Et Annabelle, on va finir euh, cette discussion avec un dernier point qui, à mon avis, intéresse beaucoup les téléspectateurs. C'est comment on fait pour maîtriser des pensées qui nous pousseraient à pécher? Oui, bah on lit dans euh, Matthieu 15-19 car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Et en fait, euh, ça nous fait comprendre que lorsqu'on est... Encore lorsqu'on pose une action de, de péché, ce n'est pas nos membres qui ont été saisis d'un seul coup, c'est que ça a commencé ouais. dans nos pensées. Et, et lorsqu'on reprend le contrôle dans nos pensées, qu'on décide de se sanctifier premièrement dans nos pensées plutôt que de se sanctifier ⁇ Ah, il faut que j'arrête de regarder de la pornographie ⁇ renouvelle, renouvelle ton intelligence, ouais. renouvelle ton intelligence. Et naturellement, euh, naturellement, ton corps va s'aligner en fait à tes désirs et si tes désirs se portent vers les choses d'en haut, mmh. ton corps va s'aligner. Et ça demande euh, quelquefois, du quelquefois ça peut être une délivrance, mais mmh. quelquefois ça peut être un processus parce que l'intelligence a besoin d'être renouvelée. C'est quoi ça, renouveler son intelligence renouveler pour ceux qui son nous intelligence, écoutent, c'est du charabia. <laughs> c'est que notre intelligence qui a été euh, peut-être euh, corrompue, salie, abîmée euh, par les choses extérieures, par euh, notre passé, notre éducation, par des choses qu'on a faite euh, soit soit purifiée, soit lavée, soit renouvelée et euh, renouvelée, je reprends le même mot, <laughs> soit remplacée que des pensées qu'on avait, mettons tu as une pensée d'adultère, et ben par le renouvellement de l'intelligence, c'est que ta pensée devient une pensée qui est sainte qui a Selon la parole de Dieu, mmh. j'aime ma femme, j'aime mon mari. Mes désirs se portent vers ma femme, mes désirs se portent vers mon mari. Et en fait, est le renouvellement, l'intelligence, c'est comme de l'eau, ça filtre mmh. et puis ça, ça enlève ouais, le, mauvais, le mauvais, mmh. ça enlève le mauvais. Puis au bout d'un moment, bah, à force de faire le même processus, sans ce, dans la persévérance, mmh. ça devient clair, ça devient limpide. Mmh. Et, euh, et je crois sincèrement que de là, quand il y a une repentance, aussi, on en a parlé. Notre corps va s'aligner sur euh, nos pensées. Ouais. Amen. Ouais. Merci beaucoup, Annabelle. On va continuer avec toi, Anne. Mmh. La question de Pasteur. J'ai une question. Wilson de France nous écrit La loi de l'attraction est-elle en accord avec la parole de Dieu Donc la pensée positive, la visualisation. Déjà, quand on me dit pensée positive, ça me parle un peu plus parce que la loi de l'attraction, ouais. je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est quoi déjà, peut-être, cette loi de l'attraction ben, C'est euh, ben, une conception spirituelle qui, qui, qui a valeur dans certains. Un cercle, et qui, dit, qui est très à la mode, hein, qui dit qu'une croyance, euh, c'est ça, c'est une croyance selon laquelle les semblables s'attirent. Okay. Ce pas les contraires qui s'attirent, c'est les semblables qui s'attirent. Et c'est-à-dire qu'en concentrant euh, nos pensées euh, bah sur du négatif ou du positif, on va créer notre propre réalité. Je vous lis le... Ok. Alors, et c'est comme ça que nous aurions ainsi, et je mets le conditionnel, <laughs> un pouvoir sur les choses qui nous entourent ou les situations qui nous arrivent. Et donc, c'est très populaire, surtout en ce moment, dans les milieux du management. Alors, il y a beaucoup de livres qui sont parus sur euh, vraiment comment, euh, par nos pensées, euh, incliner notre destinée, devenir riche, devenir prospère, euh, mmh -hmm. avoir du succès dans notre entreprise. Et c'est pas du tout nouveau. Hein. Euh, on on l'appelle euh, la loi de l'attraction et aussi la nouvelle pensée, New Thought en anglais. OK. Et c'est pas du tout nouveau, les racines sont très anciennes, on les retrouve même au temps des, au temps des Romains. Euh, à l'époque, c'était euh, une doctrine qui tournait autour du dieu Hermès et ça s'appelait l'hermétisme. Alors c'est sûr ça a été remis au goût du jour et très populaire depuis 2006 parce qu'il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle The Secret et qui a été euh, relancé à la mode par euh, des présentatrices très célèbres aux États-Unis comme Hélène de Généresse ou Oprah Winfrey, mmh. puis aussi Larry King. Donc en fait la promotion du film a été intense et ça a remis au goût du jour cette, cette doctrine. OK et est-ce que c'est biblique alors bah attends, j'y viens. Ah, okay. Je vais déjà creuser Pardon. ce Creuse origine. encore. Et parce que si on veut savoir oui. si c'est en accord avec la parole de Dieu, il faut déjà savoir d'où ça vient. Tu as raison. Ouais, Je as dis raison. toujours qui bono hein, qui profite le crime. Donc d'où ça vient. <laughs> alors, euh, donc, ce, cette doctrine de l'hermétisme, de, de euh, elle a inspiré ensuite au moyen âge toutes les doctrines de l'alchimie, les alchimistes, les magiciens, et ensuite à la renaissance le paracelsisme, qui était Paracelse. c'était un, un médecin qui, qui cherchait aussi beaucoup euh, euh, l'impact des pensées sur notre environnement et notre destinée. et puis, plus près de nous, au 19e siècle, ça a été vraiment, euh, comment dire, dans sa formulation actuelle, ça a été remis euh, euh, au, goût du, au goût du jour par une médium qui s'appelait Elena Blavatsky qui a été fondatrice du courant de la théosophie qui est un courant ésotérique on a une partie de la réponse Alors, autour, donc ouais, donc, <laughs> je sais pas si vous voulez que je vous en beurre encore un petit peu mais donc la théorie de base c'est que les pensées seraient faites d'énergie pure qui attire d'autres énergies et que bah, c'est comme ça qu'on pourrait infléchir notre destinée moins fléchir euh, euh, des événements autour de soi. Mmh. Alors, bon vous bah, voyez le contexte un peu, je ne sais pas si j'en ai beurré assez, mais <laughs> ça, ça mal. part mal en, en matière de compatibilité <laughs> avec la parole de Dieu, parce que dans la lignée de ce courant de pensée, on retrouve des médiums, des alchimistes, des fondateurs de mouvements ésotériques, euh, mmh. des yogis aussi, euh, des, des, des gens qui participent euh, dans toutes sortes de méthodes ésotériques. Mmh. Donc euh, oui, on, je pourrais m'arrêter là, puis on pourrait mettre un point final en disant ben, « Tenons-nous-en éloignés comme de la peste. Mm » -hmm. Mais alors, vous allez me dire, ben, on est quand même dans une émission euh, qui fait profession, euh, c'est d'apporter la parole de Dieu. Alors, pourquoi cet auditeur a-t-il posé cette question mm -hmm. Alors, la première raison, c'est que les partisans de cette doctrine utilisent souvent des versets bibliques mm -hmm. pour étayer euh, leur position. Okay. Entre autres, Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, vous croyez que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. » Sauf qu'ils oublient un détail fondamental, c'est que dans ce verset-là, le croyant demande à Dieu mm -hmm. au nom de Jésus-Christ et cela lui sera accordé par grâce et ce n'est pas le fruit ouais. de ses pouvoirs personnels de ses pouvoirs mentaux mm -hmm. personnels puis la deuxième raison que j'imagine aussi peut-être ben, Wilson me le dira <laughs> mais il y a certaines personnes malheureusement qui essayent de faire rentrer ça dans l'église et qui vont faire un amalgame avec la, le, avec, euh, la foi et euh, la première chose est à établir, c'est que l'homme en lui-même n'a pas de pouvoir mental sur les choses qui l'entourent. On a parlé tout à l'heure de l'effet de nos pensées sur notre être intérieur, et ça, ça c'est biblique. Et la parole de Dieu nous encourage à veiller sur nos pensées, mmh. parce qu'elles ont un, un bon effet sur notre, sur notre foi, et aussi un mauvais effet, quand elles sont négatives, sur notre péché mais l'homme par lui-même n'a pas de, de, de pouvoir mental sur sa destinée mmh. sur euh, les circonstances qui l'entourent sur les autres gens qui l'entourent les pensées qu'il a ont une action sur lui-même pas sur l'extérieur oui. et euh, bah pour continuer alors c'est un, un fondement pseudo-scientifique, c'est pas, pas du tout. Euh, pas du tout euh, prouvé. Prouvé, mmh. c'est ça. Et puis donc, moi, je voudrais terminer, euh, ce pasteur, j'ai une question, euh, pour euh, vraiment mettre en garde de ne pas faire l'amalgame. Parce que c'est une pensée qu'on retrouve beaucoup dans la littérature séculière, euh, dans des psychologies, magazines et je ne sais pas quoi. Mmh. Et il y a des gens qui se, se laissent influencer par ça, et ça a tendance à essayer de rentrer dans l'Église. Et cette. Euh, euh, je mets en garde parce que ça tourne à la superstition et puis, j'allais dire, c'est quasiment démoniaque. Bah, moi, je pense que c'est vraiment diabolique. C'est comme dans Genèse 3 quand le diable essayait de tenter Ève en lui disant de manger de l'arbre de la connaissance uh -huh. pour qu'elle ait une connaissance surnaturelle. Uh -huh. Je trouve que ça procède du même état d'esprit uh -huh. et c'est clair que ça ne vient pas de Dieu. Et il y a un glissement qui arrive si on arrête de fixer nos yeux sur Jésus et ceux qui pratiquent ces choses bah, pratiquent des choses qui sont intolérables pour des enfants de Dieu et la seule façon pour nous Humain d'exercer euh, un pouvoir surnaturel, c'est par l'Esprit de Dieu, Amen. selon la volonté de Dieu, mm -hmm. par une délégation de pouvoir qui nous a été acquise à la croix par Jésus. Alors, on ne pratique pas d'exercice de pouvoir, de concentration, de pensée, et on n'essaye pas en tant que chrétien d'infléchir les circonstances en pratiquant la pensée positive. Alors, pour répondre à la question de Wilson, la loi de l'attraction, la pensée positive, la visualisation, sont-elles en accord avec la parole de Dieu Non. 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 Non, et mille fois non. Merci, Anne, pour cette précision. Tu voulais ajouter quelque chose, Annabelle, non Non, j'avais une blague Blague <laughs> nulle censurée. On continue maintenant. On va regarder le livre de la semaine dans la rubrique Culture et médias. Découvrez le livre de la semaine. Sur emciboutique.com. Alors, le livre de la semaine aujourd'hui, Soyez transformé en profondeur. Dites non à la manipulation par, de vos, par vos pensées et par vos émotions de René Laframboise. Guillaume, je te laisse la parole. Merci, Nadine. <laughs> on enfin, parle. on te laisse la parole. <rire> 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 <Je vais> prendre... <laughs> Silence complet, mesdames. Je vais finalement prendre mon cinq minutes, je pense. Pour, euh, <rire> <rire> en vas-y. <laughs> Le, la bataille des pensées, certainement une des batailles les plus anciennes, si ce n'est la première, que l'humanité a dû affronter. Parce que dès le jardin d'Éden, finalement, la première attaque que l'ennemi a fait sur l'homme, c'était en lui suggérant une pensée. Mm -hmm. Et cette pensée, c'était de lui proposer une, nouveau, une nouvelle vision du monde. Une vision du monde dans laquelle il serait lui-même son propre Dieu, il n'aurait pas besoin de Dieu, il n'aurait pas besoin de, de dépendre de qui que ce soit d'autre que de lui-même. Et c'est de cette pensée qu'on qu'on a généré l'humanité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, si les pensées sont importantes, je crois définitivement elles sont importantes, c'est même euh, ce qu'il y a de plus puissant dans l'univers. Parce que les, les, la pensée, la parole est aussi proclamée, elle génère une pensée, et la pensée d'un monde, la pensée d'une création, etc. Pour nos vies euh, chrétiennes, c'est la même chose. Les pensées vont déterminer la façon dont nous allons euh, vivre nos vies chrétiennes, dont nous allons les organiser. Et, Lorsque nous sommes dans la vie face à des défis, face à des épreuves, face à toutes sortes de situations que des fois que nous ne pouvons pas comprendre, nous nous retrouvons dans une situation où le fondement de mes pensées, la fondation de mes pensées, là où j'ai nourri mes pensées, ce avec quoi j'ai nourri mes pensées va déterminer la façon dont je vais vivre et traverser les difficultés ou les défis ou relever certains défis dans ma vie. Quand on parle des pensées, on parle par exemple des combats qui, qui, à, auxquels font face euh, tous les chrétiens dans la vie chrétienne. On sait que les, les épreuves font partie de la vie chrétienne. On sait que les, les tentations font partie de la vie chrétienne. On sait que toutes ces choses-là, ça appartient au cheminement euh, chrétien. Mais la façon dont, dont j'ai établi ma compréhension de Dieu, de qui est Dieu, de comment il veut m'affirmer en tant qu'enfant de Dieu, si ces choses-là n'ont pas été affirmées bibliquement parlant, eh bien, lorsque j'affronte des difficultés et je laisse mes émotions prendre le dessus, je laisse mes pensées personnelles, mon propre intellect prendre le dessus, et si je laisse mon intellect ou mon intelligence humaine prendre le dessus, je peux commencer à avoir une fausse conception de Dieu. Mm -hmm. Le fait que Dieu ne prenne pas soin de moi, le fait que Dieu finalement me laisse à, à mon sort, euh, Dieu ne m'aime pas ou Dieu ne se préoccupe pas de mes intérêts, je doute de Dieu. Je doute non seulement de sa justice, mais aussi de sa bonté. Et finalement, ça peut même m'entraîner à m'éloigner de lui. Je dis souvent que l'épreuve, aux chrétiens, elle nous change toujours. N'importe quelle épreuve que vous traversez vous change, mais elle peut vous changer en mieux ou en pire. Elle peut nous rapprocher de Dieu ou nous en éloigner. Et ce qui est déterminant, c'est pour renouveler nos pensées finalement et pour nous laisser transformer dans nos pensées, pour adopter, finalement nous laisser affirmer par Dieu, ce qui est déterminant, c'est de nous nourrir des bonnes pensées. Pour nous nourrir des bonnes pensées, il n'y a aucun autre meilleur remède que la parole de Dieu. Mmh. La Bible, ça reste l'élément de fondation essentiel pour nourrir de bonnes pensées pour nos vies chrétiennes. Quand vous avez des, des personnes qui nous regardent dans cette émission, qui regardent des enseignements de prédicateurs à leur église ou sur Internet, toutes ces choses-là sont bonnes, elles peuvent regrouper plein de bonnes choses, mais lors du combat... C'est pas sur la parole du prédicateur que je dois m'appuyer ou que je peux m'appuyer pour tenir ferme dans mes pensées. C'est uniquement sur une parole inébranlable et cette parole-là n'est pas la nôtre, mais c'est celle que Jésus nous mmh. a laissée, que Jésus a proclamée puisqu'il est lui-même la parole, donc, des Écritures Saintes. Alors, quand je me base sur la parole, je découvre plusieurs choses. Je découvre, et l'auteur ici, René Laframboise, nous invite à découvrir différentes choses. Il nous invite à découvrir non seulement qui est Dieu, mmh. Mais à déconstruire toutes les fausses conceptions que nous pouvons avoir de Dieu. Mm -hmm. J'ai eu ces fausses conceptions dans ma vie personnelle également, et j'ai dû déconstruire. Parce que vous savez, souvent le défaut ou le, le défaut ou l'erreur, le, le on va dire, de, dans la vie chrétienne que nous faisons, c'est qu'on essaye avec une mauvaise pensée, des fois juste de la chasser euh, en disant au nom de Jésus, je chasse cette pensée, je veux plus penser à cette pensée, mais mm -hmm. ça ne marche pas et ça ne marche pas pourquoi ou ça n'est pas assez efficace pourquoi. Parce qu'on ne chasse pas une pensée parce qu'on veut la chasser au nom de Jésus, mais on chasse une, une pensée ou une mauvaise pensée en en remplaçant par une autre, par une bonne. Mm -hmm. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est ce, ça le renouvellement ce, de dans, notre dans esprit. Dans ce livre, justement, l'auteur explique comment renouveler notre intelligence, comment justement maîtriser. Euh... Non seulement il va nous indiquer comment renouveler notre intelligence, il explique ce que signifie renouveler son intelligence spirituelle. Mm -hmm. Il fait un parallèle avec notre intelligence euh, humaine, notre intellect humain, nos raisonnements humains, avec nos émotions humaines. René Laframbois, c'est un thérapeute aussi, c'est mmh. un psychologue de formation. Euh, il a plus de 40 ans de pratique aussi, il est avec Jeunesse en mission comme missionnaire. Alors, il a suivi beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, et ce livre l'a amené, avec des années de maturation, à comprendre qu'il fallait absolument aider les chrétiens à déconstruire toutes sortes de faux raisonnements, de fausses conceptions qui les amenaient à douter de Dieu, à douter d'eux-mêmes, à douter de leurs valeurs. Mmh. Parce que si je doute de qui est Dieu, je finis de douter de qui je suis, moi, puisque nous sommes créés à son image. Mm -hmm. Donc si, si je doute de Dieu, je doute finalement de ma propre image. Mm -hmm. Alors il nous aide à, à établir des parallèles entre ce que nous avons besoin de construire dans nos vies. Euh, spirituelle dans nos vies chrétiennes, dans nos pensées, pour euh, nous amener à une solidité finalement, pour nous permettre d'affronter la, la, je dirais, la vie en général, que ce soit des épreuves, que ce soit euh, des, des, des tempêtes, que ce soit des périodes de doute ou des périodes difficiles, et de ne pas nous appuyer sur ce que nous ressentons mm -hmm. dans nos émotions pour savoir est-ce que Dieu est avec moi quand je me sens mal Oui, Dieu est avec toi. Le critère n'est pas... De ressentir ou de ne pas ressentir, mm -hmm. ni de laisser nos propres raisonnements humains ou établir mm -hmm. un, un critère de la bonté de Dieu, de la justice de Dieu, de la souveraineté mm -hmm. de Dieu. Il y a des vérités qui sont éternelles, que Dieu nous donne dans sa parole, qu'il nous révèle, et il veut nous affirmer avec ces vérités mm -hmm. pour que nous soyons ses fils et ses filles et établis En tant qu'éditeur qu du, du livre, tu le recommanderais à, à, à tous les chrétiens, à un type de chrétien particulier euh, celui-ci, celui, temps. Ci, celui -ci, je le recommande à tous les chrétiens, euh, je dirais, et aux, aux pasteurs et aux leaders dans nos églises, okay. on a des gens qui passent par euh, toutes sortes de luttes, de combats, des fois toutes sortes de questionnements. Ce livre, c'est un antidote. Si okay. vous avez des doutes <laughs> sur Dieu, si vous avez des doutes sur qui vous êtes, en Jésus-Christ, ce livre, c'est l'antidote dont vous avez besoin. Bon jeu de mots. <laughs> Alors, c'est un jeu de mots de l'auteur que j'ai repris avec son autorisation. C'est parfait. Et je vais terminer en vous disant que le livre va vous faire culminer vers l'accueil d'un Dieu qui veut vous parler. Qui veut déverser son amour dans votre vie et surtout qu'il veut, qu veut vous montrer son appréciation, c'est-à-dire l'appréciation qu'il a pour vous en tant que fils et fille euh, de Dieu. Et c'est l'accueil de la vérité sur qui il est finalement, sur qui est Dieu qui va nous établir sur son amour pour nous transformer et nous rendre libres. Donc nous remplaçons nos mauvaises pensées ou les pensées erronées par les bonnes pensées donc nous laissons notre intelligence être renouvelée de façon spirituelle par la révélation de Dieu. Et il nous donne pour pour terminer son livre, quelques conseils euh, pratiques pour une bonne hygiène de vie, il nous dit qu'il faut devenir des passionnés de la méditation et de la lecture de la parole de Dieu, que nous devions aussi développer l'adoration comme un style de vie vivre dans la plénitude du Saint Esprit, communier avec le corps du Christ, appartenir à un corps local mmh. et aussi prendre soin de son propre corps qui est le temple du Saint Esprit. Alors oui, mmh. je crois que ce livre va être pour beaucoup euh, dans, dans de, de ceux qui nous écoutent un doute qui va vous faire passer de douteur à convaincu. Les pasteurs leaders peuvent euh, se procurer ce livre aussi pour encourager certaines de, de leurs membres qui ont besoin d'être fortifiées dans leur mmh. identité en Christ. Et euh, je vous dirais, soyez transformés à la lecture de ce livre qui vous conduit dans un processus Super. de transformation et qui va vous aider à ne plus vous laisser manipuler par vos pensées et par mmh. vos émotions. Merci. Et vous pouvez vous le procurer mmh. sur la boutique emci.com. Merci, emci. merci beaucoup, euh, Guillaume, oui, d'être venu emci. nous présenter. Oh, boutique.com. Boutique. Euh, <laughs> boutique. attention, hein, ah, là merci. où tu travailles, Guillaume. <laughs> merci beaucoup merci et on Guillaume, continue euh, avec la rubrique témoignages. Alors Aurélie, il te reste peu de temps pour nous raconter un beau témoignage. Oui, c'est l'histoire euh, d'une jeune femme. Très vite. Tu as dû faire perdre du temps. Ben, je pense que euh, tu devrais contrôler tes pensées. Vas-y. <laughs> <Les filles. rire> Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été libérée... Euh... De la pensée, euh, des pensées de rejet qu'elle avait mmh. en fait en regardant EMCI TV. Et dans son histoire, vraiment, pour, euh, pour être rapide, c'est que quand elle a grandi, elle souffrait d'un manque d'amour de ses parents. Elle a eu beaucoup de moqueries euh, à l'école quand elle était enfant. Par rapport au nom qu'elle porte, on se moquait d'elle. Elle a donné sa vie à Christ, elle a suivi un bon parcours spirituel, et même en regardant EMCI TV, que, ben, en 2015, elle a été baptisée du Saint-Esprit et a regardé mmh. une émission Pasteur une Question avec le pasteur Ken Taylor. Puis après, ben, un jour, un prédicateur est venu dans son église, il a parlé du rejet et elle s'est rendu compte en fait que tout ce qu'elle vivait ben, avait trait au rejet. Le fait qu'elle n'acceptait pas les remarques et certaines choses qu'elle avait dans sa vie, ben, tout ça en fait c'était le rejet et là elle a pris conscience qu'elle avait ce problème dans sa vie et un jour alors qu'elle suivait l'émission avec Sylvie thierry livre de l'oppression mm. comme on a déjà dit c'est une émission qui a, porté qui a vraiment ouais, mm. porté oui. du fruit mais c'est reconnu dans les propos du pasteur Sylvie et là euh, elle a été touchée en fait parce qu'elle vivait cette oppression là et à la fin quand Sylvie a, a prié ben, elle a compris que c'était l'ennemi qui la rabaissait mmh. et ce jour-là elle a été délivrée elle a été complètement euh, libérée de ses pensées et puis maintenant il nous dit qu'elle passe le temps dans la parole et sait que Dieu continue à restaurer son âme mais elle a été libérée alors qu'elle regardait cette émission Parole de Femme avec Sylvie Théry. Ah, c'est merveilleux, c'est vrai que c'est une émission qui a porté oui. beaucoup de fruits. Oui. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à l'adresse témoignages.emcitv.com Et je vous remercie à tous pour cette émission. Merci Guillaume d'être venu nous présenter le livre de la semaine. Tu reviendras dans environ un mois nous présenter un autre livre. Et on va se retrouver demain, notre thème sera « Le mariage doit te rendre heureux ». Oui, nous allons parler mariage et nous aurons des invités que vous connaissez peut-être, Eric et Rachel Dufour, qui sont tous les deux pasteurs de pasteurs, qui ont un magnifique ministère auprès des couples très particulièrement. Donc vraiment une émission qui vaut la peine que je vous invite à regarder. Ils seront avec nous pendant trois jours. Allez, merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.